clairement hein, la raison pour laquelle Infranum vient de décider la création d'une commission data center qui déjà fédère beaucoup de monde. Il s'agit bien d'une continuité des infrastructures numériques, hein, c'est une complémentarité naturelle. Ça relève des mêmes aspects, il y a des croisements avec beaucoup d'autres préoccupations qui sont celles d'Infranum. C'est la raison pour laquelle les industriels du numérique et des infrastructures numériques s'investissent beaucoup dans les data centers. Alors, le rapprochement, il est naturel autour de plusieurs aspects. D'abord, les enjeux de connectivité. On ne peut pas envisager de performance de data center si la connectivité n'est pas assurée. Et il y a aussi un lien naturel sur les préoccupations en termes de résilience. Résilience de la donnée, résilience des infrastructures. On a les mêmes préoccupations, on avait les mêmes préoccupations. Elles sont mutualisables. Et il y a enfin un lien direct entre le développement du marché des opérateurs entreprises et les data centers de proximité qui constituent un outil formidable pour cette environnement d'opérateurs entreprises qui sont très nombreux et qui peinent parfois à offrir des services différenciants. Les data centers de proximité sont leur outil à leur disposition. Il y a donc un lien et des synergies naturelles entre les deux. Au contraire, les data centers de proximité sont une réponse aux problématiques environnementales. Il est beaucoup plus négatif pour l'environnement d'héberger chez soi, dans son entreprise, des baies en grand nombre avec une grande consommation énergétique plutôt que de mutualiser dans un data center de proximité qui d'ailleurs répondra, et de plus en plus, hein, à des normes de respect environnemental avec tout un tas de technologies de refroidissement, de réutilisation de la chaleur. Donc au contraire, le data center de proximité, c'est une réponse à l'amélioration souhaitée de la consommation environnementale, enfin de l'impact environnemental sur l'hébergement des données.